pas envoyé à qui de quoi. Voilà, mais filme toi aussi. Laissez. Tu dois filmer. Mais oui, mais il filme, non? Il dit, il ne filme pas, il est en train de filmer. Cassez-moi ça. Cassez. Cassez, on va fouiller. C'est devant tout le monde. C'est devant tout le monde. Casse-le. Non, mais comme ça. Fais rentrer le truc et puis tu tires. Ça va. Bon, maintenant, si c'est le linge pour femme, il y a une. Mais forcément, on comprendra. C'est tout. Ouais. Waouh. Voilà. Filmez. Et puis, ça, monsieur. Libérez. Mon épouse, elle n'est pas là. C'est ouvrez-moi l'autre valise là-bas. Ouvrez-moi ça. Ça, c'est ça, pas de cadenas. Hein. Ouvrez, non, c'est lui qui n'a pas de cadenas. On avait déjà fouillé. Non, l'autre, on avait déjà fouillé. Ça fait depuis combien d'années que je travaille? Bon, alors. Ouvrez-moi tout ça. Le gabonais là-dedans. Ça, les galères. Il y a l'argent qui se promène dans les valises. Voilà. Faites les vidéos et vous faites aussi voilà. Les photos. Au même moment. Hein. Allez-y, les gars. Ville au Gabon, c'est à propos de cette affaire rocambolesque impliquant l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guy Nzouba Ndama. Il a été interpellé hier après-midi à la frontière entre le Congo-Brazzaville et le Gabon en possession de plusieurs valises bourrées de grosses coupures de francs CFA. Plus d'un milliard de francs CFA, près de 1,5 million d'euros selon le quotidien gouvernemental gabonais L'Union. Chiffre que nous a d'ailleurs confirmé également un membre de l'entourage de l'opposant. Cet ancien baron du parti au pouvoir au Gabon est en effet passé à l'opposition depuis 2016 après avoir rompu donc avec le PDG. Après avoir été placé pendant quelques heures en garde à vue à Franceville, eh bien Guy Nzouba Ndama a été libéré avec ses valises et leur contenu selon plusieurs sources concordantes. Mais cette affaire défraie bien entendu la chronique sur les réseaux sociaux. À Libreville, Yves-Laurent Goma. La vidéo a rapidement inondé les réseaux sociaux. On y voit Guy Nzouba Ndama devant son pick-up, quatre valises posées à l'arrière et des gendarmes forcés les cadenas. À l'intérieur, des liasses de billets de 10 000 francs CFA par centaines de milliers. Combien y en avait-il en tout? Selon le quotidien gouvernemental L'Union, 1 milliard 180 millions de francs CFA. Toujours selon le journal, l'opposant rentrait d'un court séjour au Congo-Brazzaville. Il a ensuite été conduit dans un commissariat où il a été placé en garde à vue. Selon l'agence gabonaise de presse, il a été libéré dans la nuit. Son argent lui a été rendu. Il aurait regagné Kulamoto son fief politique. Pour le moment, les autorités gardent le silence sur cette affaire. Son parti, les démocrates aussi. D'où vient tout cet argent? À quoi doit-il servir? Autant de questions sans réponse pour le moment. Âgé de 76 ans, Guy Nzouba Ndama est un des potentiels candidats à l'élection présidentielle prévue l'an prochain. Yves-Laurent Goma, Libreville, RFI.
Bonjour Joe Washington Ebina. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant l'opposant gabonais Guinzo Bandama quitter le territoire congolais avec l'équivalent de 2 millions d'euros en petites coupures ? J'ai pensé à une population qui souffrait. J'ai pensé à une réalité congolaise qui est désastreuse. C'est incroyable de concevoir que les autorités congolaises au quotidien nous parlent d'une crise financière. Ils nous disent entreprendre des accords avec la Banque mondiale et autres pour chercher des fonds. Il n'y a même pas d'ambulance dans les villages. Il n'y a même pas de centre de dialyse qui coûte à peine 150 à 200 millions. Et on voit un individu qui sort comme ça sans explication. Pour nous, c'est un scandale. Finalement, c'est une indifférence à la misère des Congolais. Mais qu'est-ce qui vous fait penser que Guinzo Bandama a pu toucher de cet argent des autorités congolaises ? Cet argent est une somme très importante. Donc aujourd'hui, être capable de sortir autant d'argent et sans être inquiété, parce qu'il faut aussi avoir une certaine assurance de sortir avec autant d'argent avec des valises d'argent. Donc c'est justement le transfert d'argent qui pose problème. Dans le fond, nous sommes sûrs que les banques congolaises font ce genre de transactions sûrement régulièrement et pratiquement tous les jours. Mais cette manière de sortir de l'argent avec des valises d'argent sur des routes comme ça, avec quelle sécurité, avec quelle assurance, cela pose problème. Guinzo Bandama a été entendu par le procureur de Franceville au Gabon. Il est notamment accusé d'intelligence avec une puissance étrangère. Est-ce que du coup, selon vous, il y a des choses qui doivent être clarifiées côté congolais ? Obligatoire, cet argent vient du Congo. Cela fait déjà 4 jours, mais le gouvernement congolais n'a pas donné d'explication. Nous demandons qu'il y ait une explication du gouvernement, parce qu'il faut expliquer à ces pauvres Congolais, à ces retraités qui ne touchent pas leur pension, pourquoi il y a autant d'argent qui circule, et pendant qu'eux n'arrivent pas à vivre correctement. C'est un scandale pour nous. Et nous demandons qu'il y ait une explication judiciaire à ce sujet. Je crois que les Congolais, qui sont d'abord les premiers concernés, doivent savoir d'où vient cet argent. Au niveau du Gabon, ils ont leur travail à faire. Cela ne nous importe très peu parce que la vérité doit venir de l'origine de l'argent. D'où vient cet argent ? Si ça sort du trésor public congolais, nous devons le savoir. Guinzo Bandama, lui, dit qu'il s'agit d'argent qu'il aurait gagné pendant l'époque où il était aux affaires au Gabon. La manière de transférer cet argent est une manière qui n'est pas crédible, qui est floue. Pour nous, si cette justification doit être légale, elle doit donc passer par des institutions financières reconnues. À ce moment-là, il n'y a aucun problème. Mais conduire de l'argent de la sorte, transporter de l'argent sur les routes des deux pays de la sorte, pour nous, cela montre justement qu'il y a un problème. Nous voulons que Brazzaville, que les autorités de Brazzaville nous expliquent pourquoi et comment. Il faut donner des explications à notre peuple qui souffre au quotidien. Vous savez, au Congo-Brazzaville, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à obtenir des passeports. Simplement des cartons de passeport. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas d'argent, parce qu'on dit qu'il n'y a pas les machines. Mais cet argent aurait pu servir à énormément de situations ici au Congo. Mais Joe Washington Ebina, qu'est-ce qui aurait pu pousser le président Sassou à financer un opposant gabonais ? Quelles sont les relations entre les deux chefs d'État ? Est-ce que le climat a changé depuis les liens familiaux qui étaient forts entre le président Sassou et Omar Bongo ? Nous n'avons évidemment pas les informations, je crois qu'il faudrait lui demander. Les relations internes entre les deux présidents ou entre la famille présidentielle et tout le reste, ce sont des relations malheureusement qui ne nous concernent pas à l'heure actuelle. Est-ce que dans cette affaire, la surprise de certains n'est tout de même pas hypocrite ? Est-ce que la circulation des valises pour financer les oppositions des pays voisins n'est pas une vieille histoire dans la région ? Oui, les populations ne sont pas dupes. Tout le monde sait que c'est une vieille histoire. Il y a une fin à toute chose. Nous sommes heureux de constater qu'aujourd'hui, pour la première fois, il y a une visibilité sur un scandale. Les populations arrivent aujourd'hui à constater qu'il y a un jeu qui se fait, qu'il y a une réalité que nous ne voyons pas. Je crois que c'est aujourd'hui une réalité qui est visible. Le président de la République est en fonction depuis plus de 40 ans. Donc imaginez ce genre de pratique qui existe depuis de longues années. C'est inadmissible, incompréhensible. Donc des explications doivent être fournies pour au moins apaiser et faire comprendre à tous ces étudiants congolais qui sont à Cuba, qui n'arrivent même pas à toucher ne fût-ce qu'un peu d'argent pour survivre. Le monde a beaucoup changé, les règles de transparence ne sont plus les mêmes. Joe Washington Ebina, merci. Une certitude, Guinzo Bandama était depuis toujours sous la surveillance étroite du renseignement gabonais. Le déplacement d'un ancien député à qui on doit la loi sur la polygamie au Gabon n'est pas un mystère pour les services. Il est certain, d'après nos sources, que Guinzo Bandama aurait été reçu dans la ville d'Oyo, fief de l'actuel président congolais Denis Sassou Nguesso. Qui y a-t-il rencontré ? Qui aurait ordonné que l'homme politique gabonais reçoive plus d'un milliard de francs CFA en espèces ? Et dans ce cas, d'où proviennent ces billets de banque ? Plusieurs indiscrétions désignent le pouvoir de Brazzaville, sans qu'aucun nom puisse être formellement avancé.
Lorsqu'il franchit la frontière Congo-Gabon pour revenir au Gabon, Guizou Badama ne le sait pas, mais le piège s'est refermé sur lui. Il a été décidé en très haut lieu à Libreville de dévoiler le soutien que le Congo voisin accorde à une partie la classe politique gabonaise à la solde de l'étranger et de faire de Guizou Badama la parfaite illustration, d'en faire un exemple. Très hostile à la présence des téléphones d'habitude, là, ce sont des gendarmes qui ont filmé et laissé filmer l'arrestation de l'ancien président de l'Assemblée nationale avec des bagages suspects, bagages dans lesquels on a découvert des liasses de billets. Peu après, Guizou Badama filmé dans les locaux de l'antenne de la Direction Générale des Recherches de Franceville devant le fameux milliard soigneusement exposé devant lui. Guizou Badama vient de faire les frais d'une guerre larvée entre les pouvoirs de Libreville et de Brazzaville sur fond de guerre de succession à venir. Le président des démocrates a été arrêté le 17 septembre 2022 à la frontière congolaise avec des valises contenant plus d'un milliard de francs CFA en espèces sonnantes et trébuchantes. Soupçonné de détention irrégulière de fonds, Guizou Badama a été mis en garde à vue à Franceville, puis brièvement remis en liberté, le 19 septembre 2022, avant d'être repris par la Direction Générale de la Recherche, DGR, qu'il a transféré à Libreville, où une enquête sur des soupçons de blanchiment de capitaux a été ouverte. L'opposant a été libéré le 20 septembre 2022 au soir mais est prié de se tenir à la disposition de la justice. Ce politicien né à Koulamoutou, dans l'Ogoé-Lolo, dans le sud du Gabon, est un Pouvi, une minorité proche des Ebi, l'un des groupes sociologiques les plus importants du pays. La province de l'Ogoé-Lolo, ou G7, a longtemps été considérée comme le deuxième fief électoral d'Omar Bongo Ondimba, après le Ogoé. Le deuxième président du Gabon s'appuyait sur les élus dont Guizou Badama pour avoir la majorité au sein des institutions. Cette alliance a volé en éclats en 2016, l'Ogoé-Lolo ayant été supplanté par l'Ogoé-Iviendo en nombre de voix favorables à Ali Bongo Ondimba, ABO. Guizou Badama a effectué ses études primaires dans sa ville natale avant de monter à Libreville pour intégrer le collège Bessieux. Après le baccalauréat, il choisit d'entreprendre des études de philosophie en France, à l'université Paul-Valéry de Montpellier. Il est intégré en septembre 1975 dans la fonction publique gabonaise en qualité de professeur de philosophie des lycées. Deux mois plus tard, il est nommé directeur de l'orientation à la Direction générale des bourses et des stages. En 1980, il en devient le directeur général. Point de départ d'une vie politique qu'il ne quittera plus, l'enseignant est nommé au gouvernement en 1983, comme ministre délégué au commerce et à l'industrie. Il deviendra ministre de l'Éducation nationale 4 ans plus tard. Selon lui, faire de la politique est une forme de « dos de soi ». Il va devenir un pilier de la majorité, la troisième personnalité de l'État. Guizou Badama a été élu député du département de la Lolo Bouéguidi, Koulamoutou, en octobre 1990. Réélu en 1996, il est porté à la tête de l'Assemblée nationale le 27 janvier 1997, puis reconduit à ce poste le 25 janvier 2002. Il y sera réélu une troisième fois, le 24 janvier 2007. Et même une quatrième, en 2012. Il aura présidé l'Assemblée nationale du Gabon pendant 19 années et 3 mois. En 2009, à la suite du décès d'Omar Bongo Ondimba, il se montre favorable à la candidature d'Ali Bongo Ondimba, ABO, à la succession de son père. Élu, ce dernier soutient la reconduction au perchoir de Guizou Badama à la suite des élections législatives de décembre 2011. Ali apprécie celui qu'il surnomme « Président Guy ». «
Si le parlementaire a de bons rapports avec le chef de l'État, il a du mal à travailler avec l'entourage de celui-ci. En 2016, Guizou Badama démissionne du Parti démocratique gabonais, PDG, suivi par 9 députés de la même formation. Il bascule dans l'opposition en appelant au rassemblement des Gabonais pour provoquer l'alternance au pouvoir. L'ancien pilier du système dénonce notamment l'amateurisme des collaborateurs du président, le blocage de la situation politique, les chantiers abandonnés, etc. Au lendemain de sa démission, il se rapproche du Rassemblement Héritage et Modernité, RHM, fondé par des députés dissidents du PDG et dirigé par Alexandre Barrault-Chambrier. Ce parti a vocation à investir Guizou Badama comme candidat à la présidentielle de 2016. Mais l'opposant se désiste et soutient la candidature de Jean Ping. Par la suite, il prend ses distances avec RHM pour créer les démocrates. Contrairement à l'Union nationale, qui boycotte le scrutin, les démocrates décident de participer aux législatives de 2018. Guizou Badama est lui-même battu à Koulamoutou mais son parti s'octroie 11 sièges, contre 98 pour le parti au pouvoir. Il devient la première force politique de l'opposition parlementaire. L'affaire de Gros Sous-en-Cours survient alors que deux cadres du parti de Zouba, Jean-Norbert Diramba, maire de Mouila, et Jean-Pierre Doukaga Kassa, député, ont démissionné pour entrer au gouvernement lors du remaniement du 8 mars 2022. Le 2 juillet 2022, les démocrates ont organisé leur premier congrès ordinaire à Libreville. Les délégués ont reconduit le président sortant Guizou Badama. Il est probable que l'opposant se prépare à briguer l'investiture de son parti pour la présidentielle à venir. Peut-être est-ce la raison pour laquelle la justice veut connaître la provenance de l'argent saisi le 17 septembre 2022, et surtout, savoir ce à quoi il est destiné. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus, pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.